Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo de comment tracer un haut avec une découpe princesse et une découpe au niveau de la taille. Donc le tutoriel est en ligne, vous pouvez la regarder. Nous sommes sur la deuxième partie de comment coudre ce modèle. Donc j'aurai besoin du matériel nécessaire, voilà 1 mètre de tissu wax, demi-mètre de tissu pour pouvoir assortir mon modèle. En plus de cela, j'aurai besoin de mes ciseaux, mes épingles, de la toile collante et du thermocollant, de la toile collante et de la doublure, pardon. Lorsque j'ai fini de tailler, voilà, j'ai taillé les doublures aussi. Donc, la doublure du milieu devant, c'est avec le wax. Et celui des côtés, c'est avec la simple doublure blanche. Pareil aussi avec celle du dos. Donc, la doublure, c'est avec le tissu blanc. Les parties qui seront superposées sur le devant, je les ai doublées aussi avec le tissu wax. Et la découpe en elle-même, je vais la doubler avec le tissu que j'ai assorti, donc avec le même tissu assorti. Pareil pour les bretelles, je vais les doubler aussi avec du tissu wax, donc on aura 8 morceaux en tout. Là, je n'ai que 4 morceaux. Pour assembler les parties du devant, je vais mettre cran sur cran et je vais épingler et coudre sur toute cette partie. Et je vous mettrai en description la vidéo de comment faire pour démocoller une découpe princesse. Ça va beaucoup vous aider. Pour les doublures, je vais mettre cran sur cran et je vais coudre sur toute cette partie. Pour coudre le dos, les pinces du dos, je vais suivre les indicatifs. Voilà, de d'où commence ma pince. Donc, je vais le faire tout simplement et je vais coudre partant de là vers le bas. Pareil aussi avec le double. Lorsque j'ai fini d'assembler mon devant, je vais venir cranter sur le cran que j'ai fait tout en bas, voilà. Et je vais repasser et je ne vais pas m'attarder vraiment sur cette partie-ci parce que j'ai une vidéo complète de comment, voilà, repasser sa découpe princesse avec la boule. Et je pense que je ferai une vidéo de comment fabriquer cette boule parce que c'est très, très important. C'est vrai que j'ai montré comment on repasse avec, mais je n'ai pas montré comment on la fabrique. J'ai fini de repasser, de coudre mon vêtement et de repasser. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est assembler la doublure sur le devant. Donc, on met endroit contre endroit et on va coudre sur toute cette partie-là jusqu'à l'autre bout. Je vais faire pareil aussi avec le dos. Voilà, je vais mettre doublure endroit contre endroit et je vais coudre jusqu'au bout, mais pas jusqu'à là où je me suis arrêtée vraiment. Jusqu'au bout. Lorsque j'ai fini de coudre, maintenant je vais venir cranter cette partie-ci pour me permettre de retourner facilement mon vêtement, sinon ça serait carrément impossible. Donc on va cranter vraiment jusqu'au maximum. On va faire pareil aussi avec les deux bouts pour bien ressortir le côté pointu sur les bouts. Voilà, j'ai fini, j'ai retourné facilement. Maintenant, je vais venir avec une aiguille bien ressortir le côté, bien ressortir, voilà, ces deux bouts pour que ce soit plus précis. C'est très important, ça fait aussi la beauté du travail. Lorsque j'ai fini, j'ai repassé et le dos aussi est bien repassé. Pareil pour le devant qui est très bien repassé et le bonnet est vraiment bien sorti. La boule est très efficace. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie qui est coudre la découpe. Voilà. Je vais poser ma découpe endroit contre endroit et je vais coudre sur le V, pareil aussi sur la petite découpe. Il est très important de déterminer. Voilà, on va coudre comme ça jusque-là en suivant la forme.
Lorsque j'ai fini de coudre, maintenant je viens cranter cette partie-ci en allant vraiment au maximum comme j'ai fait sur le milieu devant. Et je ne vais pas cranter les arrondis parce que j'ai cousu à quelques millimètres. Je vais tout simplement retourner et repasser aussi. Pour les découpes, je vais venir diminuer les parties, la couture, voilà. Et je vais diminuer aussi au niveau au niveau de l'angle, voilà. Je vais cranter cette partie et je vais retourner. Je fais pareil avec toutes les autres pièces, retourner et je vais repasser ensemble. Lorsque j'ai fini de retourner, repasser, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Tout ce qui déborde vers les côtés, là, c'est pas un souci quand tu le places, donc tu vas simplement le tailler. Maintenant, on va passer à la prochaine étape. Pour tracer la découpe d'eau, je vais plier mon tissu en quatre, d'abord en deux et ensuite en deux. Lorsque j'ai plié mon tissu en quatre, je vais prendre la découpe du devant, voilà, pour utiliser la même taille. Et je vais diviser cette taille par 4. Et c'est ça qui va me servir de tour de demi-cercle pour pouvoir former ma découpe, voilà. Regarde simplement ce que je suis en train de faire. Là, j'ai rajouté la valeur de la couture. Et maintenant, je vais former mon demi-cercle et je vais tracer. Lorsque j'ai fini de tailler avec la doublure, maintenant je vais venir assembler ces deux parties-là, voilà. Je vais coudre les deux bas, je vais repasser et je vais cranter aussi avant de repasser. Profiter pour coudre aussi les bretelles, donc pour ça je vais mettre endroit contre endroit. Les quatre bretelles, les longues et les petites bretelles, on va les coudre tous ensemble, tout en haut et en bas aussi. On va juste laisser le trou entre les côtés pour pouvoir retourner facilement. Pour coudre les bretelles, lorsque j'ai fini de coudre et repasser, retourner tout ça, maintenant je vais venir poser la bretelle sur la manche de mon vêtement. Mais avant ça, j'ai d'abord mesuré sur moi, voilà. Et maintenant je vais venir le poser, commençant par la petite bretelle, voilà, tout au bout, là où comme vous pouvez voir là-bas. Et je vais venir poser la deuxième bretelle qui est la longue, bien à côté, vraiment au bout de la première bretelle, tout au bout, de façon à ce que ça soit collé. Et je vais épingler, je vais faire pareil avec l'autre côté. Lorsque c'est bon avec l'autre côté, maintenant je vais baisser ma doublure, voilà. Je vais baisser ma doublure comme ça et je vais coudre les deux bouts. Lorsque j'ai cousu les deux bouts, maintenant je vais venir cranter la manche, m'arrêter jusqu'au niveau où la bretelle finit. Je fais pareil aussi avec l'autre côté. Une
fois que j'ai fini de cranter, voilà, je vais passer un bon coup de fer sur ça et on va monter la bretelle sur le dos. Et pour monter la bretelle sur le dos, lorsque j'ai fini de repasser, déjà bien sûr, je vais poser, je vais faire le même procédé que tout à l'heure. Voilà, je soulève la doublure. Je pose ma bretelle. En posant ma bretelle, je dois me rassurer de ce que le vêtement et le devant et le dos soient du bon côté. Voilà. Et maintenant, je vais poser ma bretelle comme j'ai fait tout à l'heure en limitant sur les limites de là où j'ai mesuré sur moi bien avant. Et je vais coller les deux bretelles, la grande et la petite bretelle. Et je vais faire pareil aussi avec l'autre côté. Et je vais coudre comme j'ai cousu sur le devant, cranter et repasser. Là, lorsque j'ai fini de mettre les bretelles, voilà, j'ai repassé bien les emmanchures. Et je voulais préciser qu'il est important que les deux bouts se retrouvent vraiment au même niveau que le devant et le dos, sinon après quand il y a décalage, c'est pas du tout beau à voir. Maintenant je vais passer à la prochaine étape qui est assembler les côtés. Pour ça, je vais mettre endroit contre endroit et doublure contre doublure, ayant déjà calculé mes mesures bien avant. Donc, une fois que j'ai mis endroit contre endroit, je vais me rassurer que à ce niveau que que ça soit vraiment au même niveau, il faudrait pas qu'il y ait de décalage, sinon ça fait pas joli. Donc maintenant, je vais épingler et je vais laisser tout ce qui déborde vers les côtés, là c'est pas important. Et moi je vais coudre sur la valeur de couture que j'ai prévue, donc partant de là jusqu'à l'autre bout de la doublure. Voilà, maintenant on va passer à la prochaine étape qui est coudre la découpe sur, qui est assembler la découpe sur le haut. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le milieu du haut et le milieu aussi de la découpe. Donc là, je vais mettre ensemble à partir du milieu. Voilà, lorsque je trouve le milieu, je centralise bien cette partie. Maintenant, je vais venir prendre... je vais venir au niveau des côtés, voilà, identifier le niveau des côtés, voilà, la couture des côtés sur le vêtement. Je dois l'identifier sur la découpe en faisant des indicatifs avec la craie, voilà. Et je vais faire pareil aussi avec les côtés. Je prends le dos, pardon. Je vais prendre la découpe du dos, voilà, qu'on a tracé ensemble tout à l'heure. Je vais faire le même procédé que je viens de faire avec le devant. Là maintenant, je vais positionner ça comme ça. Et je voulais rappeler ici que bon, sur ma découpe, il y a un côté, le dos de ma découpe est plus long que le devant. Donc c'est la raison pour laquelle on voit un peu de décalage à ce niveau. Donc là, je vais identifier avec la craie. C'est sur cette partie que je vais relier mon vêtement, faire pareil avec le dos. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. J'ai identifié, j'ai relié les deux parties. Maintenant, c'est prêt pour être assemblé sur le vêtement. Mais avant ça, je voudrais rappeler ici, il faut faire très attention à ce niveau. Et là, je vais surfiler, mais vers le bas, ça doit être au même niveau. Donc, et là, j'ai fait entrer les coutures à l'intérieur parce que quand c'est pointu, ça ressort, c'est pas joli. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de relier le haut et la découpe ensemble. Pour ça, je vais mettre cran sur cran et bon, endroit contre endroit. Je vais épingler le milieu, épingler toute cette partie et ensuite, je vais coudre. Voilà, lorsque j'ai fini d'assembler les deux parties, j'ai repassé et j'ai passé j'ai fait du surfilage sur les coutures qui se voyaient, voilà. Le tutoriel est presque fini, il ne reste plus qu'à mettre la fermeture. Je vais mettre la fermeture invisible et
Voilà, ça serait tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as été béni. J'espère que tu as appris quelque chose. Pardon si la vidéo a un peu été longue, donc je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, on se dit à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose de plus. J'espère vraiment qu'elle t'a aussi intéressé. Si ça a été le cas, n'oublie pas de me mettre un gros pouce aussi, à commenter. Ça va beaucoup m'encourager. Comme vous avez vu, ça c'est la suite de la vidéo qu'on a eu à faire la semaine. Il y a de cela 2 semaines. Voilà, ça c'est le côté couture, parce qu'on a eu à faire le côté patronage la semaine. Donc c'est sur la vidéo. Et je vais encore mettre en bas de description pour que vous puissiez aller la regarder et voir comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir tailler ce modèle. Voilà, moi c'est un modèle que je trouve bien aussi pour les débutants. Pourquoi? Parce que quand on est débutant, il ne faut pas seulement s'arrêter aux trucs qui sont faciles à réaliser vite fait, parce que les vite fait, on le retrouve partout, un peu de partout chez les couturiers. Donc il faut faire quelque chose que quand un client va venir, il va savoir que non, ça je ne peux pas le retrouver n'importe où. Vous voyez, moi je vous encourage vraiment à vous lancer dans ce genre de projet. Ça gagne gros aussi. Voilà, quand tu rencontres une cliente qui veut coudre ce genre de vêtements, ce n'est pas un vêtement de 40 euros. Non, 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 mais je ne vous dis pas le prix. Je ne vous dis pas à combien est-ce que je couds ce genre de tenue. Voilà, mais pour réaliser ce modèle, vous avez vu déjà dans la vidéo, voilà, tout ce que j'ai eu besoin. J'ai eu besoin que d'un mètre de tissu wax, parce que moi je fais une taille MS parfois, voilà. Et en plus de cela, j'ai eu juste de la doublure pour pouvoir assortir cela. La doublure, je veux dire le tissu blanc aussi pour assortir, voilà, parce que c'est le même tissu que j'ai utilisé pour faire la jupe. Mais malheureusement, comme je suis seule, je n'arrive pas à filmer la jupe vraiment jusqu'en bas. Donc ça sera pour une prochaine fois, voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau DIY. Restez en santé, restez bénis. Ciao, 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 ciao.